c'est gagné. Allez, je vais chercher les autres maintenant. Nani ? Allez, je vais chercher les autres maintenant. Parti. À l'occasion de la sortie d'Ansel Sakimichi, nous avons organisé avec Ken Bogart une sortie de 25 km dans la vallée de Chevreuse. Une randonnée vélo sympathique et sportive pour rester dans l'esprit d'Ansel Sakimichi. Parfait. Et là, on arrive vers la première montée. Hein, alors. C'est Marco. Marco, t'es en solidarité là? T'es pas en solidarité là hein? J'avoue qu'avec le VTT... Ah oui, pour le coup, le vrai VTT. Et il est scellé, hein. C'est solide son truc, hein. Il doit boumier pas mal, mais il a des jambes vraiment, vraiment solides. C'est vrai que j'ai mon petit drapeau, moi. Hein. Je roule avec mon petit drapeau en selle. Et là, on est bien. Voilà, et la côte va arriver dans pas longtemps, là. Là, c'est vraiment la première difficulté. Je l'ai dit dès le début, on a deux difficultés, une qui est un peu au début et l'autre bah, qui va être à la fin du parcours. Alors là c'est vraiment une très très grosse côte d'1,5 km qui nous attend. Et la montée débute dans maintenant. Quoi. Voilà. Et voilà, c'est parti. C'est le moment hein, Flavien. Là il faut pédaler. Hop! Eh oui! Allez, go! Bonne chance! Da 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 da! Limite c'était trop facile pour vous en fait, les petites montées là. La prochaine est moins rigolote. Ouais. Allez c'est plat là, hein, c'est plat. Ah oui, bah quand on est bloqué au deuxième plateau. Désolé, je peux pas aller moins vite. Oh là là, on est en tête devant. Il y en a qui en voient. Hein. C'est à gauche à l'intersection, bonjour. Parfait. Ah le VTT, on va aller voir le VTT, il est courageux en VTT hein, en vrai. Tu sais que t'es le chouchou du chat hein. Ah ouais. Ah ouais, VTT, déter, même pas dernier. Tout dans les jambes, tout dans l'esprit. C'est tout ça qu'on veut voir. Tu as la trace ou pas toi? Non, j'ai pas la trace. Ok, mais... bah, suis-moi un peu d'accord. Je vais te guider. Quand même à la vallée de Chevreuse. Hein. C'est en beau, hein. Ouais, la vallée de Chevreuse, c'est tellement bien. Regardez ça, quand tu fais comme ça. Là, ça descend très fort, là, d'accord. En fait, fais attention, il y a plein de zigzags. Tempé. On va essayer de vous montrer une petite descente, ok. Let's go. C'est rigolo hein. C'est limité à 30, il nous dit. C'est vrai. Hop. Faites très attention là, faut freiner fort. Hein. Ici. Hein. Vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai failli me planter là une fois là. Juste sur ce virage là, regardez ça, regardez cette merde là. Regardez cette merde, regardez cette merde. Regardez ça. Regardez. Là j'ai tracé tout droit, j'ai tapé la gouttière ici. Donc allez-y, dépassez-moi, c'est à droite au fond. Et on aura fini quasiment la boucle après ça. À droite,
Ouais, t'en haut à droite. Et là, ça fait que monter sur un petit kilomètre, 800 mètres. Regarde, viens, cours. Regarde. Oh là 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 là. L'esprit. Eh oui. Ah, la puissance, je pense que tu imagines même pas la puissance que tu mets dans ton vélo. Vas-y, arrête-toi. Ouais, bah, c'est 1000 watts, hein, tu mets là, facilement, vas-y, tu peux y aller. C'est pour ça que ton dérailleur, il suit pas quand tu pédales comme ça, tu essaies de changer. Tout droit. Tout droit, ouais. Tu vois la différence que ça peut te faire un peu d'avoir les bonnes vitesses. Allez, t'es bon, t'es grand. Il restera qu'une toute petite difficulté à la fin et t'as fini. Ça va ici? Okay. Marco, pas trop dur? Non, ça va. Ça va? Ça va. C'est bon, moi, bah, impeccable. Impeccable, c'est bien ce que vous faites. Allez, à la fin de la route, ce sera à gauche. Il y aura la dernière montée et ensuite après c'est que du plaisir jusqu'à la gare et vous y êtes arrivé. C'est ça. Franchement ça roule bien. Aïe aïe aïe. Stop. Tu t'es vraiment pas fait mal? Non. Ça va. Tout va bien. Ça va les gens, ça va. Mais ouais, son coude a pris. Hein. Il a pris le coup du coude. Ce qu'on appelle le coup du coude, quoi. Petit coup du destin. Votre changement de vitesse va être fluide. Parce que si votre changement de vitesse n'est pas fluide, vous déraillez, vous vous cassez la gueule. Immédiatement, vous perdez votre motricité tout de suite. Un peu plus vite, je suis sûr, le 5008, tu le manges, hein. Facile. Gauche. Attention. La dernière côte, et oui. Allez, vous êtes grand, hein. C'est parti. On va essayer de monter un peu vite. Allez, c'est le GG. C'est gagné. Allez, je vais chercher les autres maintenant. Noni ! Allez, je vais chercher les autres maintenant. La fin du parcours, la ligne d'arrivée. Hop. Out.
l'envers. On prend rien à la piste cyclable là. Ça c'est le carton Saitama. Ah bah on est. Waouh, je peux la voir? Waouh! Oh merci, c'est gentil. Vas-y, je suis trop fan de la gourde là, elle est trop bien. Bah ouais, parce qu'on fait une photo avec les vélos levés, les vélos levés du Tour de France ou pas? Venez vers la lumière, nous dit-il. N'écoutez pas. Hello! Bravo! C'est pas une idée de personne, mais. C'est vraiment une idée à la con, mais ça rend super bien la caméra. Merci pour l'envers. On peut les applaudir en vrai, on peut les applaudir parce que. C'est pas mal de mois de travail, puis on a eu beaucoup de chance sur le temps. Donc, ça fait plaisir. Et voilà, c'est le genre de lancement de manga qui fait du bien. Maintenant, let's go, hein. Propager. Hein. Voilà, la passion vélo, ça se propage. Faites-leur la passion manga, hein, pareil. Hein. Faites en sorte que ça contamine aussi à droite à gauche. Alors, les mangas de sport, c'est bien pour ça. C'est vraiment des mangas qui peuvent mettre les gens au manga sans vraiment s'intéresser spécialement au manga. C'est cool. Impeccable. Tout le monde a sa besace ? On y va ?